Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur une nouvelle vidéo sur ce qui concerne les procédures Campus France. Je me présente à nouveau. Moi, c'est Tariq Azizi Ahmeda. Donc, vous pouvez m'appeler Tariq. Je suis l'un des administrateurs du groupe Facebook et de Campus France Comore. Nous sommes là pour vous donner beaucoup plus d'informations, pour vous aider à vos démarches. Nous ne sommes pas des experts, comme je le dis souvent, mais nous partageons le peu que nous connaissons. Du coup, pour la précédente vidéo, vous êtes nombreux à la regarder. Par contre, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube afin que vous puissiez bénéficier. Les prochaines vidéos que je ferai pour cet échange ou ces échanges. Aujourd'hui, je veux vous parler beaucoup plus sur les étapes de la procédure Campus France. Dernièrement, j'ai parlé sur les informations générales, sur ce qui est de la motivation, sur ce qui est du choix des universités, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais parler des étapes de la procédure Campus France. En général, nous avons 10 étapes. Donc, mais par contre, il y a des étapes qui sont beaucoup plus essentielles à retenir. À commencer, je vais vous parler de ce qu'on appelle la première étape, ce que on appelle information et orientation. Donc, cette partie, ce premier point, il s'agit de connaître exactement quelles sont les formations à prendre, à choisir. Quel niveau faire le choix, quels sont les établissements, quelles filières, donc comment je vais pouvoir me loger, je vais pouvoir bénéficier de ceci, de cela, etc. Cette partie est beaucoup plus faite par l'espace Campus France. C'est l'espace Campus France de Moroni qui organise des ateliers. Qui aussi organise des réunions d'information. Donc, on s'inscrit pour aller bénéficier ces échanges qui sont beaucoup plus bénéfiques. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'orientation. Donc, vous allez savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux. Donc, dans ces séances, vous devrez être en mesure de savoir quel projet professionnel je vais établir, quelles sont mes chances de réussite, ainsi de suite. Donc, c'est une façon, c'est une manière de savoir réfléchir sur la cohérence de son projet, de son parcours, parcours intérieur, de ce que vous avez fait et de ce que vous aimeriez faire. Donc, voilà, c'est cette cohérence entre le passé et le futur. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence là-dessus. Donc, aussi, vous devrez, par rapport au pays, parce que au Comore, nous manque aussi des structures d'orientation pédagogique. Du coup, il faut faire des recherches sur Internet, il faut demander des conseils à travers des étudiants qui ont déjà passé dans votre parcours. Donc, il faut chercher, si vous êtes géographe, donc il faut demander des gens qui ont fait la géographie, ils sont aujourd'hui, quels sont. Les obstacles qu'ils ont rencontrés et tout, parce que ça va vous aider, vous, d'éviter les soucis que les premiers ont rencontrés. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le test de français. À savoir que le test de français, avant, ça n'existe pas. C'est un système nouveau, qu'est-ce que je dis? C'est un nouveau système qui a été mis en place l'année dernière, ça veut dire 2021. Donc, ce qui veut dire que ce qui font les établissements privés, ceux qui s'inscrivent dans les établissements privés, pardon, ce sont eux qui ont passé par cette procédure. Mais avant, ça n'existait pas. Même ceux qui se sont inscrits dans les établissements publics en 2021-2022, ils n'ont pas passé ces tests. Du coup, c'est quoi le test de français? Je l'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est un test de connaissance de la langue française qui permet de vous évaluer la connaissance, le niveau qui vous permet de vous évaluer les connaissances en français. Donc, ce test est devenu à présent obligatoire. Du coup, il faut aller payer 5 100 francs à la BIC et puis passer les tests à Campus France. Ce qui veut dire que vous avez une chance aujourd'hui
de vous entraîner. Donc, parce qu'il y a des logiciels, des applications qui sont en place. Vous pouvez les télécharger à partir de vos smartphones et puis après vous en servir, vous entraîner à partir de cela. Comme ça, une fois vous passez le test, mais vous ne serez pas étranger de ce que c'est. Troisième point, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'inscription en ligne. Évidemment, une fois que vous allez passer le test et que vous avez le niveau acceptable pour poursuivre les inscriptions, donc vous allez avoir à faire une inscription en ligne. Du coup, si vous avez déjà un compte sur la plateforme Études en France, mieux vaut vous inscrire sur cette application parce que vos données sont déjà là, vous avez vos documents et tout, donc vous n'allez pas avoir à faire un nouveau compte. Donc, il suffit juste de vous reconnecter. Donc, c'est toujours à jour. Une fois que vous mettez vos coordonnées, c'est comme un compte Facebook ou Messenger ou Instagram. Donc, ça n'expire pas, ça n'expire pas. Donc, vous pouvez mettre vos identifiants et vous pouvez vous reconnecter facilement sur la plateforme Études en France. Par contre, si vous êtes nouveau, vous allez créer un compte sur la plateforme www.comore.campusfrance.org ou sinon, vous tapez sur Google. Campus France Comore. Donc, vous aurez le lien. Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour vous montrer comment faire son inscription sur la plateforme. Chacun sera apte de faire son inscription sans l'aide de quelqu'un. Juste demander quelques conseils s'il le faut. C'est un moyen, c'est une manière d'éviter d'être arnaqué par le malfaiteur et tout. Alors, la prochaine vidéo, ça viendra très prochainement, j'espère bien, ça dépendra des conditions et tout. Pour faire son inscription en ligne, il faut avoir une adresse email valide et puis après une pièce d'identité parce que chaque numéro d'identité nationale est contribué à une seule personne. On ne peut pas créer de compte avec le même numéro de la pièce d'identité. Donc, c'est ce qui est de la troisième point. Ce troisième point, vous allez avoir ce qu'on appelle la constitution du dossier qui est composée de petites sous-étapes comme les informations générales. Ça veut dire là, vous allez compléter ce qui est de vos coordonnées sur le passeport, une photo d'identité récente, votre adresse, là où vous habitez. Vous allez aussi insérer votre CV, ainsi de suite. Vous allez mettre aussi vos parcours et vos diplômes. Vous avez fait quelle université, quelle étude, ainsi de suite. Vous allez choisir votre panier de formation, c'est le choix des établissements. Vous avez une partie aussi pour mettre vos compétences linguistiques, ça veut dire le niveau des tests de français, alors, ce soit en français ou en anglais, parce qu'il y a aussi une partie si vous connaissez l'anglais ou une autre langue. Ainsi, le choix des universités, ainsi de suite. Voilà ce que je vous conseille. Il faut toujours, à chaque moment que vous choisissez les universités, il faut toujours et toujours regarder le prérequis parce que chaque université demande des modalités spéciales d'inscription. Donc, c'est ce que j'ai dit dernièrement. Donc, il faut regarder aussi que est-ce que cet établissement demande un niveau B2, la moyenne, est-ce que ça demande quoi? Est-ce que ça demande un étudiant qui a des compétences dans quel domaine? Ainsi de suite, parce que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez choisir une université, mais par la suite, vous allez vous rendre compte qu'ils ont demandé des exigences que vous n'en possédez pas. Donc là, il faut beaucoup plus réfléchir, il faut beaucoup plus vérifier sur ce point. Chaque document que vous allez insérer sur la plateforme Campus France, que ce soit relevé de notes, que ce soit attestation, que ce soit autre document, ça ne doit pas dépasser 300 KO. Donc, c'est la capacité maximum pour insérer les documents sur la plateforme Campus France. Dans cette troisième partie, aussi, nous avons la soumission de documents. Donc, une fois que votre document sera complet, il faut vérifier et puis soumettre le dossier, pardon, à l'espace Campus France. Donc, c'est la troisième étape. Maintenant, j'espère que tout le monde a compris sur ces trois étapes que j'ai parlé. Parce que je vais un peu plus vite, mais je ne vais pas trop traîner cette vidéo parce que je vais revenir sur les techniques, comment s'inscrire. Donc, j'espère le faire très prochainement. La quatrième étape, c'est le dépôt du dossier en papier. Une fois que vous avez soumis votre dossier,
on vous envoyera un message automatique comme quoi vous allez devoir déposer votre dossier en papier. Donc là, vous allez certifier tous vos documents. Donc après, vous allez prendre un rendez-vous pour aller déposer à Espace Campus France. Donc, vous allez vous présenter avec vos documents et votre pièce d'identité, bien évidemment. Cette partie permettra à Campus France de vérifier et d'évaluer votre projet. Voir est-ce que vous avez tous vos documents avec vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque et tout. Une fois que vous avez tout, vous avez déposé, donc maintenant c'est à l'Espace Campus France de vérifier votre dossier et vous dire que tout est complet. Maintenant, vous pouvez aller à l'étape 5. Et cette étape 5 que je nomme ici, c'est payer. Donc, c'est le paiement. Donc, vous avez chacun à payer le frais d'inscription qui est de 40 000 francs, 80 euros francs. Cette frais, vous allez le payer à la BIC. Et puis, c'est non remboursable parce que c'est comme une frais d'inscription que lorsque vous faites votre bac. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi on ne rembourse pas si on n'est pas accepté par l'université? Mais écoutez, lorsque vous faites votre bac, par exemple, vous allez payer ce qu'on appelle frais d'inscription. Donc, ces frais-là, même si vous n'avez pas votre bac, on ne va pas vous rembourser. Donc, c'est pareil ici. Donc, vous allez payer 40 000 francs à la BIC, qui va vous permettre, bien évidemment, de poursuivre les étapes Campus France, de poursuivre les démarches, les procédures d'inscription. À ce moment-là aussi, Campus France a le droit, donc, c'est une autre étape, de vérifier votre dossier, donc une fois que vous avez payé. Donc la étape 6, c'est vérification et validation du dossier par Campus France. Donc, ils vont vérifier votre dossier, est-ce qu'il est correct, il est complet, est-ce qu'il n'y a pas de souci. Parce que dans cette étape, si votre dossier n'est pas complet, donc Campus France vous envoyera un message comme quoi votre dossier mérite de correction. Donc on va vous permettre évidemment de faire des corrections sur votre dossier. C'est pour cela qu'il faut envoyer le dossier de bonne heure. Pourquoi? Parce que si vous envoyez le dossier et que ça a un souci, on vous demande des corrections. Là, il y a quelques soucis intérieurs parce que vous allez devoir corriger et renvoyer à nouveau. Donc, il y aura probable qu'il y ait des retards de vérification, ainsi de suite. Mais si votre dossier est traité et qu'il est complet, il est jugé valable, donc le dossier va être validé par l'Espace Campus France. À ce moment-là, vous allez passer à l'étape suivante, c'est l'entretien pédagogique. Donc, vous allez aussi de même, une fois que votre dossier sera validé, vous allez prendre un rendez-vous en ligne sur la plateforme. Donc, ce rendez-vous vous permettra de vous présenter à l'Espace Campus France Moroni, actuellement se trouve à Abidjan. Vous allez devoir passer un entretien avec un conseiller ou une conseillère de l'Espace Campus France Comores. Donc, c'est le moment de présenter votre dossier, de montrer le point de vue, de montrer vos idées, de montrer vos idées phares, parce que c'est une étape très cruciale. C'est une étape qui est, je dirais, une clé. Voilà, c'est la clé du dossier. Parce que si vous arrivez à vous en sortir lors de votre entretien, cela montre que vous avez fait votre dossier et que vous êtes en mesure de vous défendre. Vous savez ce que vous avez fait et ce que vous aimeriez faire par la suite. On reviendra aussi dans une vidéo là-dessus pour vous montrer quelles sont les questions qui sont posées dans une entretien. Quelles sont les questions courantes, quoi. Après cette étape, nous passons dans ce qu'on appelle la transmission des candidatures. Donc, ça veut dire une fois que vous avez passé votre entretien et que le dossier est complet et que tout est tranquille, tout est nickel, le dossier va être transmis aux établissements. Donc, à ce moment-là, c'est la charge des établissements, des conseils pédagogiques, une équipe, des équipes pédagogiques spéciales qui sont mises dans les établissements pour évaluer votre dossier, donc votre candidature. Donc, c'est eux qui auront la charge de pouvoir donner une réponse favorable ou défavorable à votre dossier.
Donc, généralement, la réponse est suivie par des motifs. Montrant que vous avez un niveau insuffisant, pardon, c'est pour cela qu'on ne vous a pas accepté, ou nous avons des étudiants qui ont des moyennes plus grandes que les vôtres, ou vous n'avez pas des connaissances requises sur les matières fondamentales, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui permet de donner un résultat. Si vous avez une acceptation favorable, c'est un vert, donc on vous dit bonne chance et poursuivez. Si vous avez plusieurs acceptations, vous allez devoir faire un choix d'un établissement. On viendra là-dessus parce que je vais vous parler de ce qui est réorientation, lorsque les établissements vous orientent, lorsque vous avez des refus, est-ce qu'il y a une solution ou non, quel choix exactement, quel bon choix faire, parce que vous pouvez avoir plusieurs choix, mais vous ne savez pas lequel prendre. L'avant-dernière étape dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les réponses des établissements. Voilà, donc il faut vous connecter régulièrement sur la plateforme Campus France. Donc, vérifiez est-ce que vous avez une réponse ou non. Généralement, c'est toujours comme ça, hein. Vous aurez une réponse, vous aurez un message sur votre boîte, sur votre adresse email, vous montrera que vous avez une réponse et que vous devez vous connecter sur la plateforme Études en France. Donc, sur l'email, vous montrez juste que vous avez une réponse de tel établissement. Et c'est à partir de la plateforme que vous saurez que c'était l'établissement et que vous saurez que c'est une réponse. Pardon, c'est une réponse favorable et une réponse défavorable. Voilà, et enfin, lorsque vous avez une réponse favorable, donc il faudra accepter, valider votre choix définitif, donc en suivant les instructions données par Campus France, parce que il y a des procédures à suivre, on viendra là-dessus, comme je l'ai toujours dit. Mais c'est juste ça. Et la dernière étape de cette procédure, c'est la préparation du dossier consulaire. Ça veut dire comment préparer son dossier pour aller demander le visa au consulat de France auprès de l'Union des Comores, à Moroni ou à Mitsamidou. Voilà les 10 étapes, parce qu'il y en a des sous-étapes, il y en a ouais, des sous-étapes. Mais ce sont des étapes qui sont beaucoup plus nécessaires pour faire l'inscription. Donc, en résumé, je vais vous parler de ce que j'ai parlé ici. Je vais parler d'information et orientation. J'ai parlé du test de français. Et puis, j'ai parlé de l'inscription en ligne. Par la suite, j'ai parlé du dépôt du dossier en papier. Et puis, j'ai parlé du paiement, le frais d'inscription. Et puis, j'ai parlé de la vérification et validation du dossier par Campus France. Ensuite, l'entretien pédagogique. Et puis, la transmission des candidatures par Campus France, évidemment. Et en outre, il y a eu les réponses des établissements. Et enfin, la préparation du dossier pour la demande du visa. Merci, chers collègues. J'espère que cette vidéo vous a été plus agréable et favorable afin de pouvoir suivre vos procédures d'inscription ou pouvoir aider les autres afin pour les faciliter dans la facilitation de leur demande d'inscription dans cet établissement français, que ce soit en France, métropole, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Mayotte, Guadeloupe, ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire beaucoup plus de vidéos pour faciliter les gens. Et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un expert. Et aussi, il y a des étapes qui m'échappent certaines fois, parce que depuis 2017, j'ai jamais passé à Campus France, du coup, j'ai jamais fait d'inscription. Il y a des choses que je maîtrise pas peut-être, mais j'ai toujours cherché à savoir. J'ai toujours demandé qu'est-ce qui est à l'actualité. Pourquoi? Parce que depuis, disons, 2015-2016, on est là pour aider les étudiants à faire leur inscription. Dans ce cas, on cherche à savoir quelles sont les nouvelles dispositions mises en place pour faire l'inscription Campus France.
Moi, c'est Tariq Aziz Ahmed, comme je vous dis. Actuellement, je suis à Clermont-Ferrand pour une formation de bibliothécaire. Et je suis administrateur du groupe Aide Campus France, qui est aussi administré par mon collègue Elanziz Sedassane et aussi Mohamed Moussa. On est là pour vous aider, pour vous faciliter, vous accompagner. Et c'est un groupe ouvert à tout le monde, ça veut dire un groupe au public. Chacun peut donner des informations au maximum. Chacun peut commenter, chacun peut donner son avis. Ben, il nous arrive de temps en temps de discuter avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des échanges, ce sont des informations, ce sont des connaissances. Donc, moi, j'aime beaucoup plus quand il m'arrive des fois de se confronter avec quelqu'un parce que ça permet bien évidemment de savoir d'autres choses que je ne connais pas ou savoir s'il y a des gens qui cherchent à donner des informations mais qui ne sont pas les informations exactes. Merci beaucoup de me suivre et on se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous salue.